Bonjour et bienvenue dans ce troisième tuto consacré à cet album qui fait partie du trio avec les papiers Kraftoklop Plum in Chocolate. Alors, on est dans la partie de droite cette fois-ci avec donc en rabat vers le haut, vers le bas et avec la petite fermeture. Quand on ouvre, on tire et on a cette petite page interactive qui nous permettent de mettre pas mal de photos, 10, 15, 1, 2, ici une plus petite si on veut, une là au-dessus et même si on veut par ici et par là. Donc ça fait pas mal de photos. Alors c'est parti pour la réalisation de cette interaction. Alors, pour la réaliser, vous avez besoin d'un premier papier qui sera la base de 17 cm sur 24 cm et demi. Un papier de 15 cm et demi sur 29 cm et demi. Un morceau de 17 cm sur 15 cm et demi, et dans les 17, vous faites un pli à 2 cm du bord. Un papier de 11 cm et demi sur 15 cm. Un autre de 9 cm sur 15 cm et demi. Et un dernier papier de 10 cm et demi sur 22 cm dans lequel vous faites un pli à 2 cm du bord et un à 2 cm et demi, et ceci de chaque côté. Donc 2 cm et 2 cm et demi afin d'avoir justement un petit soufflet, un petit écart pour permettre au mécanisme de glisser facilement. Alors, dans le papier de 15 cm et demi sur 29 cm et demi, il va falloir faire toute une série de plis qui vont permettre justement de rouler un peu convenablement. Donc, on va faire un premier pli à 15, un à 16, à 17, à 18, à 19, à 20, à 22 et demi. Et puis de 22,5 jusqu'à 27,5, vous faites un pli tous les demi-centimètres. Donc 22,5, 23, 23,5, 24, 24,5, 25, 25,5, 26, 26,5, 27, 27,5. Et puis un dernier à 28 cm et demi. Donc 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22,5. Et puis jusque 27,5 tous les demi-centimètres, et puis 1 à 28,5. Voilà. Alors, on va déjà commencer à assembler ceci. Vous pliez donc à 15 cm. Alors ici, on va mettre de la colle sur la grande partie. La partie entre 20 et 22 cm et demi. Et on va venir coller et centrer en laissant juste le premier pli de libre. Donc, bien vérifier que vous êtes au milieu. Voilà. Donc il est collé plus ou moins au centre. Voilà. Ensuite, on va donc replier au 22,5. Mettre de la colle sur la dernière petite partie d'un centimètre. Et replier votre papier par-dessus.
dessus. Voilà. Donc on a déjà ceci. Une fois qu'on a ceci, on va prendre le papier de 11,5 cm sur 15 et on va venir le coller sur 15,5. Donc on va prendre son papier de 11,5 sur 15,5 et non 15, comme je l'ai dit précédemment. Et on va venir le coller ici au-dessus. En fait, il va recouvrir la totalité du mécanisme. Donc pour ça, je mets de la colle ici au-dessus. Sur le premier pli qui est là. Et je viens le coller. J'attends qu'il sèche. Je l'ajuste bien et donc on a ceci. Donc, si on tire déjà, on va donc avoir notre feuille qui va rentrer. Et là, il faudra aplatir un petit peu les plis, voilà, nécessaires au bon fonctionnement. Mais une fois qu'on a ça, on va pouvoir le coller sur la feuille de base de notre page. Alors là aussi, vous le collez où vous le souhaitez. Tout dépend si vous voulez mettre une pochette au-dessus, une pochette en dessous. Ça, vous choisissez. Alors, pour ça, je vais le coller par l'arrière. En mettant de la colle sur la partie de 2 cm que je vais venir ajuster ici. Voilà. Et je fais la même chose de l'autre côté. Donc notre mécanisme est déjà en place et maintenant je vais vérifier en tirant bien, voilà, et on arrive jusqu'au bout. Une fois qu'il est ici au bout, vous aplatissez bien le tout et vous allez fixer maintenant ici la feuille de 9 sur 15,5. Pour ça, je vais mettre de la colle sur la petite partie qui apparaît. Je vais fixer comme ceci. Que ça colle et normalement si tout va bien elle va rentrer à l'intérieur et l'autre va se refermer. Pardon, voilà. Ensuite il nous reste à fixer cette partie de 17 cm sur
15,5 qui va venir, elle, recouvrir totalement le mécanisme. Pour ça, je mets tout simplement de la colle à l'intérieur du pli sur la petite partie. Et je vais venir tout simplement la fixer en dessous de ma carte bien droit. Voilà. Et voilà, le mécanisme est déjà terminé. Il vous reste à mettre une attache. Vous pouvez aussi très bien mettre un aimant. Vous n'êtes pas obligé de mettre une autre attache ou une flippette. Enfin, vous mettez ce que vous voulez en fermeture. Donc, vous avez bien ceci. Et quand on tire, on a le mécanisme qui se fait avec le papier scrap en décor. Le papier sera plus rigide et vous pourrez ouvrir le tout facilement et fermer le tout facilement également. Voilà. Alors, ce mécanisme est déjà terminé. J'espère que cela vous aura plu. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, ben, n'hésitez pas à le faire. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine pour le quatrième et dernier tuto pop-up de cet album. D'ici là, portez-vous bien, prenez soin de vous. À la semaine prochaine. Bon scrap !